Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite revue sur ma silhouette mine pour créer ses propres tampons. Je commence par ouvrir le logiciel Silhouette Mine et je vais importer mon image que je regarde à la taille de mon tampon. Et après, je l'envoie à ma silhouette. Je prends ma planche de tampon qui fait 15 par 60 cm et je l'enfile dans la machine. Et le tampon est imprimé très rapidement. Je vais déchirer le carton pour récupérer mon tampon. Et je le colle sur ma base de tampon. Après, je vais ancrer mon tampon. Pour ma part, j'utilise qu'une seule couleur, mais vous pouvez en utiliser plusieurs. Et après, je vais laisser sécher l'encre 5 minutes. Une feuille de brouillon, je vais tamponner mon tampon une dizaine de fois environ pour enlever le surplus de l'encre. Je tamponne mon tampon sur l'autocollant pour marquer mon tampon. Je colle sur le bouchon de mon tampon. Que j'ai cette machine, j'ai imprimé deux tampons, un tampon 45 par 45 avec le nom de ma boutique, le deuxième avec mes réseaux sociaux. Voici mes avantages, c'est qu'on peut créer des tampons personnalisés très rapidement chez soi et le résultat est très bien. Par exemple, si on utilise une police très fine, on a un beau rendu. Et pour les inconvénients, je dirais le prix des recharges de tampons qui est assez élevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à me donner vos avis dans les commentaires. En cliquant juste ici, je vous invite à vous abonner et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!